Comment faire revivre un petit village de Haute-Corse grâce à un espace de coworking? Paysagistes, médecins, spécialistes du marketing ont choisi le petit village de Speloncato pour télétravailler ensemble. Village de 280 habitants isolés dans les montagnes qui reprend donc vie. Reportage sur place de Marilyn Ottman, c'est le choix de la rédaction de RMC ce matin. À Speloncato, l'idéal pour déjeuner est la place du village entre les deux clochers. Encore faut-il trouver une table. Les tables sont toutes pleines, regardez. Les amis, ceux qui viennent travailler, ça attire du monde, oui. Assis sous les parasols, il y a le maire Jean-François Pauly. Depuis l'ouverture d'un espace de coworking dans sa commune de 280 habitants, le restaurant peut ouvrir toute l'année. Et en 26 ans de mandat, c'est une victoire. L'idée nous est venue de réaliser un tiers-lieu qui pourrait nous permettre d'avoir une activité pérenne économique sur la commune et permettre aux commerces qui sont essentiellement ouverts en période estivale d'être ouverts toute l'année. Nous avons des cas concrets de gens qui sont revenus, des jeunes qui sont originaires du village. Et venir en voiture jusqu'à ce village médiéval niché dans les montagnes se mérite. Certains coworkers comme Timothée n'hésitent pas à faire ce chemin sinueux plusieurs fois par semaine. Ça fait une vraie coupure des journées standards où on travaille chez nous. C'est une vraie coupure mentale de venir travailler ici. Il y a 2 ans et demi, Pierre Ridolfi lance le projet. Avec l'aide de la mairie, il rénove une maison en ruine. On s'est dit comment faire développer le village. Il y a deux moyens, soit se développer en permettant aux gens d'y vivre, soit en permettant de travailler. La vie au village, c'est une vie où le village est ta maison. La place, c'est ton salon. Tout le monde est presque un membre de ta famille et tu n'es jamais seul. Un village à 600 mètres d'altitude où à 15 minutes, on a la mer, on se retourne, on a les montagnes. Cette vie-là est une vie presque idyllique. Je la souhaiterais à tout le monde, quoi. Jusqu'à 40 personnes viennent travailler dans l'espace et vu la demande, un projet d'extension est à l'étude.